J'ai souvent rêvé d'une vie douce et facile pour tous, où nos valeurs pouvaient s'accorder. J'y ai cru même, je l'ai voulu et voté. Mais cet espoir s'est écrasé en beauté. La société se cache derrière un sourire de sorcière. Elle triche avec elle-même car elle n'a plus les idées claires. Assise à l'extrême droite, elle s'éloigne de ses frères. Elle craint pour son avenir, donc elle regarde en arrière. C'est dans les moments difficiles qu'on cultive le courage. La France est belle jusqu'à ce qu'on la dévisage. Et quand vous perdez le plaisir, que reste-t-il quand la méfiance et la peur brûlent vos derniers désirs? Dis-leur que nos cœurs ne sont pas à prendre, nos âmes ne sont pas à vendre. Dis-leur que nous ne sommes pas si bêtes, et s'ils ne m'entendent pas, qu'ils aillent se faire pendre. Dis-leur que nos cœurs ne sont pas à prendre, nos âmes ne sont pas à vendre. Dis-leur que nous ne sommes pas si lâches, on ne tombera pas dans le piège qu'ils veulent nous tendre. Et si tu les croises, s'il te plaît, dis-leur également que nos enfants sont des princes et qu'ils prendront leur chance. Ils prendront la suite et la mesure de nos errances. Laissons-leur de quoi réaliser leurs espérances. Ce que demande le peuple, c'est de la considération. Il estime qu'il paye chèrement la situation. On a besoin de sentir qu'on est quelqu'un dans la foule. La vie nous donne le blues et le stress qui en découle. Je crois qu'on veut nous énerver, gardons notre calme. La politique et l'information ne sont plus que racolage. On nous voudrait diviser, avançons comme une seule âme. Ils prennent notre trône en otage pour le jeter dans la flamme. Donc dis-leur que nos cœurs ne sont pas à prendre, nos âmes ne sont pas à vendre. Dis-leur que nous ne sommes pas si bêtes, et s'ils ne m'entendent pas, qu'ils aillent se faire pendre. Dis-leur que nos cœurs ne sont pas à prendre, nos âmes ne sont pas à vendre. Dis-leur que nous ne sommes pas si lâches, on ne tombera pas dans le piège qu'ils veulent nous tendre.